Wesh les gars, c'est Crypto, je vous retrouve pour une petite vidéo déballage donc de deux produits que je viens de recevoir. Donc franchement moi je sais ce que c'est, mais vous je pense que vous ne savez pas et donc on va déballer tout de suite ça aujourd'hui. Au passage merci, vous êtes 12 500 il me semble. Et ça fait énormément plaisir que voilà que vous soyez autant. Et je vous raconterai après une autre histoire, normalement ça sera pour demain. Mais on peut dire que je me suis fait carotte ou je me suis fait... comment dire, j'ai perdu on va dire 500 €. Environ entre 300 et 500 €, mais bon ça vous le verrez avec YouTube tout ça, vous verrez normalement ça demain. Et là normalement je me suis dit j'ai une petite heure pour leur déballer, je finis ça à 10 h et je reprends 1 h. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer de leur faire ça. Donc j'ai gardé ma veste puisque j'ai pas le temps, tu vois, on va vite fait déballer ça, ensuite on va vite fait aller manger, on va repartir. Et tout simplement je me suis dit on va leur déballer aujourd'hui. Donc j'ai reçu tout ça hier, ces deux colis, donc je vais vous montrer tout simplement ce que c'est. J'en ai un comme ça déjà, je l'ai reçu hier. Et j'ai ça, je vais essayer de pas vous montrer ce que c'est, mais j'ai ça que j'ai reçu aussi hier. Donc il y a deux colis, vous trouverez tout simplement les liens en description. Je vous conseille déjà d'attendre la surprise avant de cliquer sur le lien, comme ça vous regardez ma vidéo et ensuite vous cliquez sur le lien, au moins ça vous garde une petite surprise. Et n'hésitez pas dès maintenant à lâcher un petit like, ça fait tout le temps plaisir et ça permet de me mettre plus en recommandation. Donc c'est de la marque OK, certains vont connaître, certains... Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent, hein. Moi personnellement je connaissais pas. Et mais j'espère être bien... être content de ce que j'ai reçu. Donc je suis en partenariat avec eux depuis 2 semaines environ. Et ils m'ont envoyé ça. Je devrais recevoir encore 2 colis par la suite. Moi je les ai gratuits, je compte vous le dire en fait. Parce qu'il y en a certains qui vont me dire placement de produit. Moi je vous le dis les gars, je suis pas payé pour faire ça. Juste... il me les envoie, ça fait plaisir, tu vois. Si c'est un petit casque, une petite enceinte, une petite souris, un truc comme ça, tu vois. Un nouveau truc, quoi, qui pourrait rendre mieux mon setup, ben je prends, comme d'habitude. Et donc, il faut découper par là. Donc, je vais vous découper tout ça. Et après, ensuite, je vous montrerai. Donc, avec le couteau. Tac. Donc, j'espère que vous crierez pas. Ah ouais, je sais pas quoi. Tu fais YouTube pour recevoir des colis. Pour le moment, il n'y a pas eu trop de ça. Mais je vois sur les autres chaînes, ça fait ça quand même. Donc, moi je pense que vous êtes une bonne communauté, que vous allez pas crier mais tout simplement ça de partout dans l'espace commentaire. Normalement non, hein, parce que voilà quoi, mais des fois il y a certaines personnes qui s'amusent à faire ça. Donc comme je vous ai dit, j'ai perdu environ 500 € avec YouTube. Et j'espère que... mais ça, déjà c'est irrémédiable déjà ça, c'est pas possible que je rattrape ces sous. Mais tout simplement, mais voilà, tant pis quoi. Donc j'hésite à vous mettre la caméra. Mais déjà, t'ouvres le colis, tu vois un bon petit truc. Ils m'ont dit de faire un truc de 5-6 minutes, tu vois, mais moi je vais faire un truc assez rapide. Donc déjà, ça va tomber. T'ouvres le colis, tu vois ça, tu vois une pochette, je sais pas si vous voyez bien. Tu vois une pochette, c'est... vous savez le truc pour les écrans là, le tissu pour les écrans qui, à ce qui paraît, ça fait pas de marque tout ça, mais j'ai ça déjà. Ensuite, ici, nous avons quoi? Nous avons plein de trucs, on dirait un truc Kinder Surprise. Il y a plein de trucs à l'intérieur, je crois qu'il y a... mais c'est des embouts pour oreillettes. Et donc, y a un câble pour recharger les oreillettes. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est des oreillettes Bluetooth. C'est tout simplement des écouteurs Bluetooth et voilà quoi. Donc, des écouteurs pour le sport et Bluetooth en plus. Donc, franchement, ça fait plaisir. Donc là, le câble pour recharger, je l'ai montré pendant 14 minutes. Et donc là, il y a de la notice. Mais ça, bon. En tant que thug, je peux pas lire ça, tu vois. Et normalement, là, c'est le truc le plus important de cette petite boîte. Ah, je galère à sortir, attendez, voilà, tac. J'espère que je fais pas trop de bruit. Et là, nous avons tout simplement les écouteurs. Donc, c'est des écouteurs comme ça, tu vois. Tac, et si là, je vous montre de près, c'est... attendez, je vais vous montrer bien. C'est des écouteurs assez chelous, en fait, on dirait des robots. Mais c'est comme ça, tu vois. Ça va me changer du casque que j'avais en ce moment. Je vous montre le casque que j'avais. Tu vois, plein de... là, vous pouvez voir que là, il y a des frisottis de partout. Ça s'était enroulé. Mais bon, ce casque m'a quand même tenu longtemps, c'était un Razer Kraken 7.1. Il m'a tenu 2 ans et franchement il faisait bien, il faisait un bon travail comparé au casque Beats qui m'a tenu 5 mois. En tout cas, la boîte est vraiment très très belle. Après vous savez, on n'est pas sur la chaîne Tech News et Test, tout ça là. Franchement moi j'ouvre la boîte, c'est un petit peu comme la carte familiale, tu vois, t'ouvres, tu testes et c'est fini quoi, on va pas faire des trucs dans les détails tout ça. Donc, comment ça s'ouvre ce truc? Ouais, ça s'ouvre en sous le vent. Ok, donc c'est assez chaud à ouvrir quand même, hein. Franchement, pour moi qui est handicapé de l'épaule, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est assez chaud à ouvrir quand même. Donc, parce que moi, j'aime pas trop, je déteste péter les cartons.
Avant, en fait, dès que j'étais petit, je faisais quoi? Je faisais. Dès que je recevais un truc, genre, je déchirais le carton direct. Là, maintenant, non, plus du tout. Je fais exprès de vraiment faire attention à ne pas déchirer le carton. Là, franchement, ah non, c'est bon. J'ai trouvé, en fait, où fallait ouvrir. J'allais dire, on est obligé de déchirer, mais en fait, non, pas du tout. Ils sont vraiment intelligents. C'est qui arrive là? Je sais pas, j'ai entendu une voiture par ma fenêtre. Ok, donc ça s'ouvre comme ça, tac, ok. Ça, tu l'ouvres comme ça. Franchement, les gars, je sens elle va me régaler celle-là. Je sens elle va me régaler, mais vraiment assez abusé. Donc, c'est parti. Je reçois beaucoup de demandes de partenariat, je peux pas accepter tout le monde, les gars. Franchement, entre ok, des trucs de foot, des trucs de crampons, je peux pas accepter tout. Donc déjà, on se retrouve premièrement avec un petit câble comme ça. Donc pour recharger, j'ai pris deux choses en Bluetooth. Donc c'est du Bluetooth 4.1, un truc comme ça. Et directement, on a tout simplement ce que vous attendez tous, c'est-à-dire ceci. Donc vous allez vous dire c'est quoi? C'est tout simplement une enceinte, ok, en 4.1 ou je sais pas ce que c'est. Tous les liens seront en description de toute façon. Ensuite, on a un câble jack qui me semble pour la brancher directement si vous n'avez pas de Bluetooth. Ça, c'est assez pratique. Et ensuite, on a quoi? On a des documents et warranty card. Register now. Ça, il me semble que c'est la garantie. Donc, bref, ça, je vais la garder au cas où, tu vois, si ça marche pas. Et donc, je vais ouvrir ça avec le... Excusez-moi. J'ai tout le temps ouvert comme ça, moi, les trucs, hein. T'as ouvert comme ça, parce que même si j'ai un couteau, tu vois, je préfère mieux ouvrir comme ça, tu vois, au moins ça fait... J'ai pas besoin de galérer avec le couteau, tout ça. Donc, franchement, elle est assez belle. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est design. Elle va passer crème dans mon setup. Elle va se mettre à côté de mon Elgato. Elle va passer vraiment très très bien. Donc, là... Ah ouais... Elle est vraiment vraiment design, en fait. Je vais enlever la boîte, parce que ça me gêne. Tac. Et regardez, les gars, comment elle est. Elle est tout simplement comme ça. Donc c'est une enceinte tout simplement en Bluetooth 4.1. Vous voyez, ok, je sais pas comment ça se met. Ok, là il y a plein de boutons qui sont vraiment design en fait. Ils se voient... Les boutons ils se voient même pas en fait, si vous regardez bien. Les boutons ils se voient presque pas, ils sont incrustés à l'intérieur. Il y a 4 petits pieds, je sais pas si vous allez voir. 4 sortes de petits pieds pour la poser. Donc vous pouvez la poser tranquille. Et ensuite vous pouvez la tester. Donc derrière il y a off on. Je galère un petit peu avec ma veste, mais derrière il y a off on, tout ça. Bref, désolé si c'est de mauvaise qualité. Voilà, ça fait le focus. Bref, on s'en fout. Merci en tout cas, ok, de m'envoyer ça. Ça fait énormément plaisir. Je vous retrouve pour le test. On va la tester avec une petite musique bien sympathique. Ou peut-être du zombie, je sais pas, je verrai. Pour bien entendre les sons des armes et tout. Donc, je vais la poser, je vais la brancher, je vais tout la configurer. Et je vais faire un petit test avec la caméra. Je vais essayer de bien filmer. Je vous retrouve juste après. A tout de suite. Wow.